Bienvenue pour la mise en main de ce tout nouveau scooter Forza 350. Ce dernier né de chez Honda possède davantage de puissance et de couple que son prédécesseur, ce qui lui offre des accélérations plus franches et une vitesse de pointe supérieure. Son moteur à refroidissement liquide est équipé du système de contrôle de couple HSTC qui garantit une adhérence constante de la roue arrière en toutes circonstances. Avec son nouveau carénage élégant et raffiné, ce Forza 350 profite d'un aérodynamisme amélioré et offre un meilleur confort à grande vitesse grâce à sa bulle électrique dont la course a été augmentée de 40 mm. Comme vous allez le découvrir, son nouveau tableau de bord, redessiné, mélange efficacement l'analogique et le numérique pour un accès intuitif aux différentes fonctions. En plus d'être un atout de taille pour votre sécurité, son éclairage full LED lui donne un vrai look et une signature haut de gamme. Il suffit d'avoir la clé sans contact en poche pour démarrer le scooter. Appuyez, tournez deux crans pour déverrouiller, une pression sur les freins et un coup de démarreur. Appuyez sur le coupe-circuit pour couper le moteur. Sur le tableau de bord, vous retrouvez le compte tour et le compteur de vitesse analogique, les témoins habituels, huile, traction control activé, température moteur, absence de clé Smart Key, problème moteur, plein phare et le voyant d'ABS. Ce voyant s'allumera si vous désactivez le traction control. L'afficheur numérique vous donne l'heure, le niveau de carburant, la température moteur, le trip A avec possibilité d'afficher la consommation moyenne sur ce trajet ou la durée du trajet, le trip B avec même chose, consommation moyenne ou durée du trajet. Sur la ligne du dessous, vous pouvez afficher le kilométrage total de la moto, l'autonomie et la consommation moyenne. Enfin, la ligne du bas vous indique la température extérieure et le voltage de la batterie. Pour passer d'une indication à l'autre, il suffit d'appuyer sur le bouton Info A pour la ligne du haut et Info B pour la ligne du bas. Un appui long permet la remise à zéro. Sur le commodo de droite, vous avez le coupe-circuit, les warnings et le démarreur électrique. Sur le commodo de gauche, vous avez le commutateur feu de position feu de route avec une impulsion pour l'appel de phare, la commande de réglage électrique de la bulle de protection, le bouton Info A et Info B dont nous avons déjà parlé, le klaxon, les clignotants, avec comme toujours une pression pour désenclencher. Un appui long sur la gâchette permet de désactiver le traction control. Retour sur le bouton central, à côté duquel vous avez les commandes d'ouverture de la trappe à carburant et de déverrouillage du coffre de rangement sous la selle. Par sécurité, ces boutons ne sont actifs que si vous avez la clé sur vous, et que vous positionnez le contrôleur sur la position Seat Fuel. Vous pouvez maintenant ouvrir la trappe à carburant ou accéder au grand coffre de rangement sous la selle. Dernier point pour terminer cette mise en main, l'utilisation du Neyman. Pour bloquer le Neyman, tournez le guidon à gauche, puis positionnez le bouton central sur le cadenas. Opération inverse pour déverrouiller. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route au volant de ce tout nouveau Forza 350.